Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où là on va faire une partie de Cluedo. Voilà, on va regarder les règles ensemble et on va faire ça sur une partie en live directement. Je sais que la précédente vidéo que j'avais fait comme ça avait beaucoup plu, hein, qui avait été trouvé un peu les règles un peu compliquées et ça avait aidé certaines personnes. Donc bah on va refaire une petite partie en famille et puis on va découvrir les règles ensemble. Allez hop, c'est parti. Le Cluedo Dragon Ball Z. Donc on commence, on met les 6 pions ici. Chaque joueur reçoit donc une carte personnage. Donc tu choisis quel personnage toi? Un gentil. Hein. Je dirais... Son Goku. Vas-y, prends. Donc ça sera le tien. Donc du coup, je te dis, il tribue aussi une carte pour laquelle il y a une capacité dessus, ma chérie. Donc la capacité de Son Goku, c'est... Une fois par partie, vous pouvez me rendre dans n'importe quel lieu en dehors de ceux qui ont un passage secret. Donc en gros, tu te fais se téléporter. Mais t'as le droit d'utiliser ça qu'une seule fois dans la partie. Donc j'ai le droit de faire. Bah ouais, tu peux dire oh bah attends, je vais là, pouf. Ou tu peux dire hop, oh, je vais là, oh bah je vais là, pouf. Oh. Mais t'as le droit de le faire qu'une seule fois. Une fois que c'est fait, après tu t'as plus le droit. Donc tu gardes la carte avec toi. Maman, tu choisis quoi? Eh ben. T'as Goten, t'as Gohan, Petit Cœur, Piccolo. Ah, Vegeta et Krillin. Oui, puis je coupe ce que tu viens de dire. Je prends le Petit Cœur. Donc ça, bah, ça c'est si tu laisses ton bonhomme là. Par contre, toi, je te donne la carte de Petit Cœur, donc Petit Piccolo. Une fois par partie, vous pouvez lancer une rumeur sur un lieu où vous ne vous trouvez pas. Le suspect que vous avez désigné est placé dans le lieu que vous avez choisi. Donc ça, c'est pareil, tu peux le faire qu'une fois dans la partie. Une fois que c'est fini, et ben après vous allez les retourner, ok? Ça sera plus simple. Et du coup, ben, je vais prendre une fusion, moi. Je vais prendre Gotenks. Donc Gotenks, sa petite capacité, c'est... Une fois par partie, vous pouvez lancer deux rumeurs pendant le même tour. Bah voyons. Ça veut dire quoi? Bah, c'est à dire que je vais vous expliquer. Non mais ton père il nous arnaque déjà, il a le truc deux fois plus, tu peux le faire deux fois toi. Bah... Il a pu téléporter tout ça. Oui, attends, tu peux le faire deux fois. Toi tu as le droit de te téléporter. Non, je me téléporte pas moi, je donne juste deux rumeurs une seule fois dans la partie, c'est tout. Ah c'est deux rumeurs une seule fois? Ah oui, d'accord, je pensais que c'était deux fois deux. Alors, là on est dans la zone secrète, savoir l'objectif ici, c'est quand même de savoir quel ennemi essaye de choper les Dragon Ball dans un lieu et quel est notre gentil qui va empêcher cet ennemi de le faire. D'accord. Donc, dedans on a nos cartes de gentil, on voit bien. Je mélange la carte gentil. Tiens, il y a une et non. Tu me la glisses dedans. Faut pas la regarder. Faut pas qu'on regarde. Oui. Même toi. Voilà, et tu la glisses dedans. Il y a trop... Très bien. Ensuite, donc ça, on a fait les gentils. Maintenant, on a les méchants. Hop, comme ça. Pareil. On mélange. On va changer de main. Allez, maman, t'en tires une. Hop, tu la mets dedans. Et enfin, on a les lieux. Donc, tous les lieux qui sont là. Donc, tu tires toi-même. Ah, bah, je vais en tirer une maintenant. Donc là, on a un gentil, un méchant et un lieu, c'est ça? Voilà, et il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'on a dedans. C'est plus doux, hein. Ouais, quand tu cherches qui a tué qui, voilà. Okay. Le reste de ces cartes-là, eh bien, on se les distribue. Mmh. Alors, moi, je te distribue. Mais toi, tu as le droit de regarder celle-là. Moi, j'ai pas, forcément, j'ai pas le droit. Tac, tac. Donc, j'ai le droit de la regarder. Oui. Moi aussi? Voilà. Donc ça, vu que... En fait, on va tous les reprendre comme ça. Voilà. Donc là ensuite, toc, toc.
Et on doit avoir le même nombre de cartes chacun. Donc du coup, on doit avoir à chaque fois le lieu, les méchants, le même nombre de méchants, le même nombre de lieux. Non, pas le même nombre, mais on doit avoir le même nombre de cartes. Et on a un certain nombre de méchants, un certain nombre de gentils et un certain nombre de lieux. Mais donc, c'est quoi les petites flèches des méchants et des gentils, papa? C'est pas grave, t'as leur nom dessus et là, maintenant tu peux cocher sur ta feuille quelles sont les cartes que tu as eues parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas dedans. Donc toi, l'objectif c'est que tu fasses ton enquête pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, celle que t'as là, tu peux cocher déjà. Mais bon, après faut... Bah oui, faut voir ce qu'il voit là. Voilà, donc Tiens, attends. Mais je sais comment faire. Tiens, Cécilia, hop. Tu vas pouvoir cocher et tu vas mettre ça dessus quand tu joueras, comme ça nous on verra pas. Ok ? Moi, ouais, je vais. Donc là on coche ce qu'on a, c'est ça ? Exactement, ouais. Alors ? Comme ça tu sais que ça sera pas ici. C'est le premier ou le deuxième ou le troisième ou le quatrième ? T'as les noms dessus. T'as les noms ? Oui. T'en as en quelques. Donc, nous avons reçu notre pion, notre carte de personnage. Notre pion là, les cartes de personnage, c'est celle que vous avez. Et votre feuille, vous avez chacun votre feuille. Donc, nous avons séparé les cartes, nous avons mis ceci dedans et on a distribué les autres cartes. Donc là, on est bon et là, on a coché. Voilà, on a fait la première page. D'accord. Règle du jeu. Donc, on va commencer et tous les joueurs devront lancer ce dé. Enfin, ces dés. Le plus grand commencera et après, on va dans le sens des aiguilles du monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant notre tour ? Donc, on lance les dés, forcément, on déplace notre pion sur le plateau, toc toc toc. Et l'objectif, c'est de rentrer dans un lieu. On n'a pas besoin d'un résultat exact. Par exemple, si tu es là et que tu fais 7, tu peux directement t'arrêter là. Tu n'es pas obligé de faire 1, 2, 3, machin, comme ça. Donc, tu fais 7, tu fais hop, 1, puis tu es déjà dans ton lieu, tu t'arrêtes. Ok ? Si votre pion a été placé sur un autre joueur, si ton pion a été déplacé par un autre joueur depuis le tour dernier, vous pouvez choisir de rester dans ce lieu et de poser une question. Ok. Donc parce qu'en fait, quand par exemple Cécilia arrivera ici, elle pourra dire c'est Piccolo qui arrêtera Bou au palais de Dieu. Donc c'est à dire que Piccolo va devoir venir ici et Bou on va le faire venir ici. Donc ça veut dire que toi, qui es Piccolo, bah, tu pourras dire, bah, t'es dans ce lieu-là, bah, je vais pouvoir lancer ma question tout de suite. Au lieu de lancer les dés pour y aller. Ok ? Hop, on met ça ici. Quand on est ici, on peut se balader dans n'importe quel sens, comme ça, mais on ne va pas en diagonale. Ok ? Si on tombe ici, on tire une carte ici. Donc dans ces cartes, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des cartes avec des choses dedans. Jeter un coup d'œil à l'étui confidentiel. La rumeur reste sans réponse. Continue de jouer sans répondre à la rumeur. Question bonus. Posez une question sur un suspect, un lieu ou un héros. Ne déplacez pas votre pion ou l'un des objets concernés par votre question. Jouez immédiatement. Donc, c'est-à-dire que si tu tombes ici, tu peux déjà poser ta question sans être sur le lieu. Ça, j'ai compris. Jeter un coup d'œil à l'étui confidentiel, c'est-à-dire que tu regardes dedans. La rumeur reste sans réponse. Continue de jouer sans répondre à la rumeur. Ah, c'est que si toi, par exemple, tu lances une rumeur, je suis pas obligée de répondre. Ah, ok. Exact, peut-être ça. Progression ennemie. Donc ça, il y en a 8 dedans. Quand on la lance, quand on en a une, bah, ça fait rien. Quand on en a 7, ça fait toujours rien, mais à la 8ème, la partie est finie, c'est qu'on a perdu. Tous les 3. Faut qu'on les ait dans le jeu. C'est-à-dire qu'on les met là, puis quand la 8ème est sortie, ça veut dire que les ennemis sont partis avec la Dragon Ball, on a perdu. Donc il y en a 8 comme ça, un jeu. Donc Hariko Senzu, jouez une seconde fois, utilisez cette carte immédiatement, ou gardez-la à ce que vous en ayez besoin, jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Donc c'est-à-dire qu'on peut en jouer tout de suite, une seconde fois.
Ok, le nuage magique, allez où vous voulez. Donc là, tu te déplaces. Capsule, ajoutez 6 à votre lancer de dés. Utilisez cette carte à votre immédiatement ou gardez-la jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Donc t'es pas obligé de la lancer tout de suite. Demandez à avoir une carte, sans ça c'est Baba la voyante. Montrez cette carte à un joueur de votre choix, il doit immédiatement dévoiler l'une de ces cartes à tous les joueurs. Donc, c'est-à-dire que toi, une de ces cartes-là, tu dois la dévoiler, tout le monde le voit. Donc et je crois qu'on a fait le tour, non, il y a Satan. Jetez un coup d'œil quand quelqu'un dévoile une carte, demandez à la voir aussi. Utilisez cette carte immédiatement. Donc par exemple, moi je te montre une carte, et si elle joue Satan, je dois aussi montrer à Cécilia. Donc là, hop, on va mélanger. Alors lui, on tire aussi une carte, comme ça, quand le dé tombe dessus, sur le point d'interrogation. Ok. Donc, lorsque vous entrez dans un lieu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on nomme un héros, donc ce sont ceux-là, les héros, les gentils là, un ennemi et le lieu dans lequel vous vous trouvez. Donc en gros, c'est Goku empêchera, hop, ça, par exemple, Freezer, ça c'est l'exemple qu'il donne, voilà, ici. Goku empêchera Freezer de trouver la Dragon Ball dans le palais de Dieu. En gros, c'est ça. Donc si c'est pas Goku qui est dedans et que c'est Krilin, Goku, machin, pof, le pion se déplace ici. Ok. Les autres joueurs doivent prouver qu'elle est fausse, cette rumeur-là. C'est-à-dire que toi, tu dis quelque chose, mais il faut que nous, si c'est maman qui dit, il faut que Cécilia ou moi, on te dise, non, tu te trompes, c'est faux. Pour te dire que, bah non, tu vas pas au milieu pour valider ta réponse. Par contre, on a le droit de bluffer. T'as le droit de bluffer. Et ça, après, il faut que j'ai expliqué. Nous, on doit te prouver que c'est faux. Donc, le joueur qui est à ta gauche, donc toi, ça sera Cécilia, doit te montrer une carte qui pourrait te dire que c'est faux, ce que tu viens de dire. Donc, si elle a la carte palais de Dieu, là, c'est que ça ne se déroule pas dedans, vu que c'est Cécilia qui l'a. Si c'est Freezer qu'elle a, elle te montre la carte Freezer, mais elle te montre une seule carte pour te dire que t'as faux. Si elle n'a aucune des trois cartes nommées ici, ça passe à moi, c'est à moi de te dire que tu te trompes. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux dire, si toi tu as Goku, tu peux te dire Goku. Ça peut mettre les autres en erreur. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent ça, c'est l'histoire du bluff. Donc c'est toc et ainsi de suite jusqu'à ce que vous en montrez une. Ok. Si personne ne peut vous montrer une carte, ne faites rien transparaître. Si vous n'avez pas bluffé en demandant l'une de vos propres cartes, vous avez compris quelles sont les cartes dans l'étui confidentiel. Terminez votre tour en rayant la carte qui vous a été montrée sur votre feuille de détective. Laissez les jetons héros et ennemis que vous avez déplacés là où ils sont. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as joué, tu laisses tous ceux qui sont là, tu les laisses ici, sur le lieu. Ok? Attends, donc si j'ai bien compris, je laisse tous les méchants ici? Non, tu laisses Freezer et Goku ici, ceux que tu as fait se déplacer. Les autres, ils restent au milieu. Ok? Ok, donc après, on a le droit de se redéplacer. Ah bah oui, après, tu te redéplaces à ton tour suivant, en lançant les dés. Ok? Comment gagner? Une fois que tu as rempli ta feuille de détective et que tu sais qui c'est qui est dedans, enfin, si tu penses savoir, tu es prêt à porter une accusation. Donc pour porter l'accusation, il faut venir au milieu. Porter l'accusation. Donc dirigez-vous vers le Tenka Ishi Budokai. Ils ont séparé en trois mots. Au centre du plateau de jeu, prononcez votre accusation à voix haute, puis vérifiez discrètement que les cartes dans les puits confidentielles. Donc, tu portes ton accusation, tu regardes si tu as raison. On regarde discrètement parce que faut pas que les autres qui sont encore en jeu puissent voir. Parce que si tu te trompes, la partie continue, mais si tu te trompes, tu as perdu. Tu es éliminé. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus qu'à deux après. Ok? Si tous les joueurs se trompent, eh bien en fait ce sont les ennemis qui ont gagné, ils ont trouvé la Dragon Ball et voilà, on a perdu. Oui, mais si on est vraiment obligé de porter une accusation. Bah oui, c'est le but du jeu. Oh non. Bah si. Alors tu as les cartes intrigue. Donc ça, ce sont les cartes qui sont avec le point d'interrogation.
On pioche, comme je vous l'ai dit, la carte intrigue sur le point d'incarnation ici. Quand celui-là il tombe ici, ou si tu te trouves sur un lieu après avoir été transporté par une rumeur. Donc, par exemple, tu dis Krillin était là, pof, au tour suivant, Krillin lui pourrait, le joueur qui a Krillin pourrait piocher une carte. Il existe deux types de cartes intrigue, donc gardien. Les cartes gardiens, si vous tirez une carte, jouez immédiatement, suivez les instructions. Pour les autres, utilisez lorsque vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser autant de cartes gardiens que vous souhaitez par tour. Débarrassez-vous des cartes lorsque vous les utilisez. Une carte utilisée ne peut plus être piochée. Il y a un autre type qui est le progression ennemi. Le jeu contient 8 cartes progression ennemi. Donc c'est celles que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est celles qui font gagner les ennemis. Donc la 8e. Termine la partie, on a tous perdu. Donc voilà, eh bien on a fait le tour. Je les garde à côté pour au cas où qu'on se repose des questions, etc. Maman, tu viens? Maman, tu viens? Maman, tu viens? Une heure de quoi là? Ok. Bon, ouais, Cécilia, tu lances les dés, on regarde quelle carte tu fais. Alors, 1. 10, à toi. 6. Je commence. Après, donc après, moi, c'est maman. Et après, moi, toi. Cool. On met les pions au milieu. Top. Donc moi, je suis coupé. On est parti, donc 7. Alors, on sort. Ici, hein, là où il y a les flèches. On sort et on monte là où il y a les flèches. D'accord. Donc là, on a plusieurs zones de sortie. Entrée, sortie, oui, tout à fait. Je regarde. Qui? Là où est-ce que je voulais me diriger? Ok. Donc j'ai fait 7. 1, 2, 3. 6, 7. Donc déjà, je tombe ici. À toi. D'accord. Neuf. Faut jouer dans mes cartes. Bah, tu regardes, oui. Ou alors tu vas dans un lieu que tu as déjà, mais il faut que tu regardes. Ok, donc tu portes une accusation. Tu commences une enquête. T'es obligé. Ah, c'est l'objectif. Si elle n'était pas là, elle perd un peu de temps. Et là, faut que j'accuse qui? Elle t'accuse un gentil qui est là, donc ça peut être moi. Hein. Un méchant dans ce lieu-là. Dans ce lieu-là. Si j'accuse, faut que ça soit dans une de vos cartes. Ah ben, l'objectif, c'est que tu cherches ça. Oui, ça j'ai. Et nous, l'objectif, c'est qu'il y en a un ou deux qui va dire non, tu te trompes. Et on doit te montrer, on doit te donner une preuve que tu te trompes. D'accord. Donc, c'est entre nous, quand on va te montrer les lieux, que tu forcément, on va te montrer les cartes. Forcément, ça sera pas ici. Ok, donc Boubou, on déplace ici. Qui c'est qui va le... Qui? Tu donnes aussi le héros qui va bloquer, empêcher Boubou d'aller trouver la Dragon Ball. Dans ce lieu-là, comme ça, qui est la salle de l'esprit du temps. Végéta. Donc Cécilia, dans tes cartes, est-ce que tu peux dire à maman si elle a une erreur? Donc si tu as Végéta, Boubou ou la salle de l'esprit du temps, tu montres une carte qui peut dire qu'elle a tort. Mais tu la montres uniquement à maman, moi je dois pas la voir. Même si c'est Piccolo? Non, c'est pas Piccolo.
Ça peut être... Maman, elle a dit Végéta, Boubou et la salle de l'esprit du temps. J'ai pas. Tiens, tu le regardes, tu me la rends. Donc là, c'est-à-dire que tu fais une... tu coches. À Cécilia. Ok. Je nomme Broly. Broly, oui. Et... qui c'est qui va l'empêcher? Ton personnage. Gotenks. Gotenks. Hop, tu me mets là. Donc à moi de dire si c'est fou. Donc là tu coches dans ta feuille et ton enquête s'affine. À moi. Du coup, je suis un peu vieux, je vais rester. Et puis comme j'étais téléporté, genre hop, là, je suis une carte. Progression ennemie. Ça avance. Du coup, je vais accuser. Du coup, Gohan. Et Broly. Gohan va arrêter Broly au palais de Dieu. Est-ce que tu as une carte qui pourrait me dire que j'ai tort? Non, 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 c'est ma première gauche. Tu me montrais que si maman elle avait. Donc moi je fais quoi? Je ressors. Tu ressors, ouais, puis tu vas dans un autre lieu. Hein. Cécilia, est-ce que tu peux montrer à maman qu'elle s'est trompée ou pas? À toi. Alors, Freezer et Gogeta. Il n'y a pas de Gogeta. C'est Végéta. Végéta. J'ai pas. Cette prairie. On va dire Bojack et Piccolo. Piccolo.
À toi. Ah non, j'ai vachement joué. Ça tu peux rester là. Tranquille. On va faire... Comment il s'appelle lui déjà? Ouais, je pense. Garlic. Garlic. Avec beaucoup. Voilà. Ok. Ceci, est-ce que tu as des cartes contre ta maman? Garlic, beaucoup, vous prenez. De rien. À moi ? Oui. Ça aussi c'est un lieu ? Non, ça c'est l'endroit où tu dois venir pour porter l'accusation. Bou. J'ai peur. Oui. Bou. Alors, 5. Oui, normalement tu tiens une. Il faut que je fasse quoi avec ça? Tu regardes ce qu'il y a dedans écrit. Jouer une seconde fois. Bah tu le déplaces et tu dois pouvoir relancer tes dés. Je la mets comme ça. Tu la mets ici là. On peut pas la remettre dans le cas. Bah tu te déplaces une première fois, tu avances 3, ah, et là d'accord. Tu fais ça. Okay. Et là, t'as six, maintenant sept, 8 huit. Places. 8. T'avances de 8 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire ça. Là, comme ça. Oui, certainement. Je trouve. À toi, Cécilia. Au palais de Dieu. Les
8. 1, 2, tour Karine. Celle. Avec Vegeta. Donc là, je vais dire Freezer avec Goldradus. Attends, tu mets ta main. Si j'en ai deux, je peux. T'en manques qu'une seule. Je veux l'avoir aussi. Pas de soucis, mais j'ai utilisé la carte Monsieur Satan, ça m'a fallu de voir ce que ça montrait à maman. Au palais de Dieu ? Oui, au palais de Dieu. Ben oui. 8. 3. Alors, je vais prendre Broly. Broly. Vegeta. Moi, je suis pas obligée de me déplacer. À chaque fois, je peux rester. Non, faut que je joue quand même. Je t'ai aidé. Faut que je lance un autre. Non, faut que tu te déplaces. C'est si moi je t'ai déplacé. Tu peux rester dedans, mais si faut lancer le. Ah, tu tiens une carte. Bah, super. Oui. Au moins 7 dés. Oui. Ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Donc je prends. Ah, j'ai combien de points?
c'était Beaujac ici. Beaujac. 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 Avec. Vous avez des passages secrets quand vous êtes là. Hein. Vous pouvez aller ici. Et de là, vous pouvez aller ici. Et inverse. Je peux m'accuser ou pas, Piccolo? Oui, tu veux. Avec Piccolo. Beaujac, Piccolo, à Satin City? Ouais. Est-ce que t'as quelque chose comme ça? Beaujac, Piccolo. À toi jouer, Cécile. Bah, de rien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je... Ok. Alors. J'ai pas. Broly Piccolo. Dans Satan City. J'ai pas. Donc j'ai gagné? Non. Donc on a une boule de cristal. Non, ça peut être un indice. Oh. Mais regarde, si toi tu les as pas ici, ça peut être du bluff que t'as fait aussi. Du bluff? Bluff. Ah mais faut pas le dire. Non. Faut pas le dire, tu bluffes. Donc t'as fait un bluff sans faire exprès. J'ai même pas remarqué moi. Alors, mettre là. Broly dans les plaines avec Goku. Je vais faire Goku contre Broly, je peux. Goku contre Broly dans les plaines. Merci. Edouard, c'était pas un point d'interrogation? Non. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben... Allez. Tu as fait ça. Avec Piccolo. La caméra se... Une carte à jouer, un truc comme ça? Non?
4. 4. Bah tu peux, non? 1, 2, 3, 4. Je suis obligée de lancer les dés quand même, même si on m'a téléporté là. Non, si t'as téléporté, tu peux rester ici. Voilà, bah je reste là. Je fais Freezer contre Goku. Comme moi. La caméra aussi. Bojack. Alors, je vais dire Garlic contre Goku. Tirer aussi, hein. Tu t'es fait téléporter sur une carte. Non, je vais faire Goku contre Bojack. À Satan City. À Satan City. Oui. Et je devrais quand même de lancer les dés. Oui. Non, je lance et après il prend d'autres. Prends ton point d'interrogation tout de suite. Tu peux. Merci. Oh non! Je peux montrer? Bah je sais pas, il y a marqué quoi dessus. Progression ennemie. Ah bah oui, là que tu l'as mis ici. Deuxième. Et... deuxième. Oh, là on peut piocher. 4, 5, 6, 7, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu as pioché une carte? Oui. Je fais quoi avec ça, Rico Zanzu? Tu peux jouer une seconde fois, tu peux rejouer. Donc je garde cette carte. Non, tu... non. Ah oui, c'est soit tu le fais maintenant ou plus tard. Utilisez cette carte immédiatement ou gardez-la jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Tu peux jouer plus tard. Comme tu veux.
2. Mais il est où, Freezer? Il est là, Freezer. Ah. Freezer contre Goku à Kamehaus. Déplacez pas votre pion ou l'un des objets concernés par votre question. Jouez immédiatement. Super, c'est une question. Ça se fait comme si tu jouais deux fois. Trop bien. Alors. Garlic Junior au Palais des Dieux avec Piccolo. Attends. Piccolo ou Garlic Junior? Ouais, Garlic Junior, c'est au celui-là. Palais des Dieux, ici, avec Piccolo, ici, sans déplacer. Ah oui, sans déplacer. Déplacer. Attends, ça et ça, c'est tout? Au Palais des Dieux. Ici. Ouais. Ok. Attends, maman, elle a pas joué. Bah, ah bah oui, oui, ouais. Juste. Vous comprenez, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. En fait, tu te déplaces, t'avais comme jeté ton dé. Bah, non, mais tu te déplaces. T'avais déjà jeté, t'as fait 6. Ah bon? Bah oui. Je fais juste ce jeu. Tricheuse, tricheuse, tricheuse. On découvre, on découvre. Bon, c'est pas grave. 1, 2, hop, je vais aller là. Caméra hausse. T'es sûr? L'entrée, elle est là. Ah oui. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Allez, la petite bleue. Moi je veux d'autres tortues géniales, j'espère qu'il y en a d'autres, ça c'était bien, hein. Ça m'a fait avancer. Et bang donc donc. Donc donc. Et ok. Je l'utilise. Ouais. Donc je rejoue. Ouais. 5, 6, 7. Day. Arrêtez d'arrêter là. Broly et Vegeta. Ah, ça t'en suit. J'ai pas. C'est quoi? Donc je fais que des jeux. Vas-y, je pars. Questions. So questions. Thank you.
Bah moi j'ai fini. Garlic junior. Non. Allez. C'est juste. Et j'ai le remis. Alors. Mon bébé. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois pas me montrer. T'as ou pas? Si t'as pas, tu me dis, ça va pas. À toi. À moi. Mais oui. 1. Alors, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah si, tu peux passer, tu marches dessus. Aïe, à l'hôpital. Alors, comment il s'appelle? Sel. Sel, du sel à mettre dans mon plat. Sel. Sel ici contre... Beaujac. Bah, mais je vais l'appeler Beaujac. La fusion entre Jacques et Goku. Beaujac. Beaujac contre Son Goku à Kamiya aussi. Alors. Et ben. À toi. Oh, merci, merci. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux. Quatrième là. 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste.
Ouais. Alors, Non. Bah, cinquième. Allez. 5, 4, 3. Est-ce qu'on peut faire une proposition quand ou non, faut être sûr. Ou... Bah, tu peux faire une proposition. Si t'as tort, t'as perdu. Bah, c'est chaud. Chaud cacao. Alors, moi, je sors par où? Par la sortie. Mmh. Donc on va faire Beaujac. Beaujac. Ah Beaujac. Je vais dire tout le temps Beaujac. Beaujac, 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 Beaujac. Beaujac contre Vegeta. En fait non. La rumeur reste sans réponse. Ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que personne ne répond. Oh, salaud. Mais moi ça me va pas. Et bien, si on a le droit, on a le droit. Alors, la carte existe. 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Putain, j'hallucine. 5, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là là. 12. Tu fais des dés, t'as pas le droit de dire banal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux y aller. C'est bon, 11, 12. Allez. T'es pas obligé de faire tout un tour à chaque fois. Et sinon, je voulais faire 35 fois. Non, mais je t'ai pas dit d'aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'était le temps. Ah, oui. Allez. À moi de dire. Alors, je me doutais qu'il avait celui. Je me doutais. La prochaine fois, j'ai choisi un instant. Krillin contre Garlic. Ça va choper. C'est quoi que nous? Krillin contre Garlic. Salle d'esprit du temps. Du coup, quand je suis comme ça là, ici, il faut que. Ah non, je peux pas rester, il faut que je ressorte. Bah, apparemment, oui. Ils disent pas qu'on peut refaire la formulation ici. Hé! Hey, ne pousse pas. Est-ce qu'on a le droit de sortir et de rentrer? Bah, c'est pas interdit en tout cas. Ça revient à une chose. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon, vas-y. Hop. Donc, je refais. Vegeta contre Garlic. Oui. Ah, est-ce qu'il y a Vegeta contre Garlic au palais de Dieu? J'ai pas. Ah. Ah.
dirait toujours ça en fait. Allez, avance de 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas juste. Je sais que je dois prendre la téléportation. Tu peux. Ta carte, elle le permet. Attends, je reste ici. Je l'ai pas pris. Fais attention à toi, hein. Ça nous fait pas peur, hein. Ah, plus qu'une. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une et on perd. Tous. Je peux faire une proposition maintenant? Non, faut payer ici pour faire la proposition. Ah, mince, il fallait que je rentre. Bah oui. À toi. Donc dès qu'on fait une proposition, ça veut dire quoi t'es confondu? Bah c'est soit t'as raison et t'as gagné, soit t'as tort et t'as perdu. 3, 4, 5, 6. Dans les pleines. Ah, je barre tout petit à petit. Le texte, c'est qu'il ne faut pas le lailler et ni prendre ce texte. Tout ce que je fais. Freezer contre Krilla, tour Karine. Je vois tes cartes. J'ai vu que t'avais la tour Karine. Et t'avais un truc pour les magiciens. Ah oui, t'avais aussi. C'est à moi. Du coup, je peux utiliser ça ou pas? Oui, une seule fois. Même si j'y suis pas. Oui. Ah, tu la retournes de l'autre sens. Okay. Donc du coup j'utilise. Je capsule corps. C'est une rumeur, hein. C'est pas accusé pour gagner. Hein. Oui, c'est une rumeur. Okay. Capsule corps avec. Bojack. Et Vegeta. Ok. Est-ce que tu as quelque chose pour montrer avant qu'elle s'est trompée? Capsule Corp contre Bojack et Vegeta. Moi.
téléportation. Ah, donc j'ai mais non, t'as pas téléporté, t'as pris le raccourci. C'est bien, c'est le raccourci. Pas tout aussi. Attends. Ouais. Attends, je voulais faire un truc. Vas-y. Alors. Grand Sangoku, si joli. Tili tili. Là contre Freezer. Oui. Attends, je vais d'abord lancer le dé si je prends encore le raccourci. Allez-y. Tu sens qu'on a un aidé à avoir la réponse là. Regarde ce que t'as coché. Pourquoi? Regarde tes cartes. Ah non, mais cherche pas. Tu m'embêtes. Vous allez voir. Tu peux échanger si tu veux. Non, je n'échange pas. Vas-y. Ah ouais, c'est ta proposition, je vous explique. Alors, Broly... tiens. De toute façon, si je me trompe, j'ai perdu. Oh. T'as vachement loin, en plus. J'accuse. Pour moi, c'est Goku qui va arrêter Garlic Junior à Capsule Corp. Moi, c'est ça. Et lui, c'est Capsule Junior. Et pour moi, c'est toi, c'est cela. Tac et tac. Mais oui, t'as raison. Hein. C'est ce que j'avais trouvé. Attends. Mais c'est sûr. C'est sûr. Ah mais...
Regarde, hein. Capsule corps, oui. T'as tout bon? Je m'en doutais! Putain! Pourquoi t'as fait mon bio? Je ne pas Je le savais dès que j'ai fait la star! On a un tripod! Ce poids des dingos là! Bon! Voilà. Félicitations! Merci, merci! Bon alors! Qu'est-ce que t'en as pensé? T'aimes beaucoup? Ouais. Comparé à l'autre? Ah oui, si, ouais, tu préfères celui à l'autre Cluedo? J'adore! Et comparé à l'autre Cluedo, c'est mieux ou moins bien que l'autre Cluedo? J'adore les deux. T'adores les deux? Oui. Ok, eh bien. Et toi? Ah bah oui, moi j'ai préféré par rapport à l'autre Cluedo. C'est moins compliqué. Ouais, et puis. Ouais, je sais pas, je me prends bien. Ouais, c'est plus fun, je trouve. Ouais, les lieux sont plus faciles d'accès et tout. Puis il y a des petites chiffres. Je sais pas trop, ouais, on n'a pas encore. Attends, moi je prends la téléportation. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Puis tu vois, c'est en jouant qu'on voit les comment faire. Parce qu'en fait, tu vois, ma capacité de dire deux fois, j'aurais dû utiliser dès le début. Comme ça, moi, ça me donnait un coup d'avance. Ça, je l'ai pas fait. J'aurais dû le faire. Toi, pareil, ta téléportation. T'aurais limite dû commencer par la téléportation pour être dans ton premier lieu. T'aurais gagné du temps. Non, non, c'était... Franchement, non. Bien. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, voilà, vous avez pu voir la fin de la partie. Bon, bah, ça a mis l'ambiance et tout. Il y a de la stratégie et tout ça. Franchement, la conclusion globale, c'est que on le trouve mieux que le Cluedo classique. Ça, c'est vraiment notre ressenti. On s'est bien amusé avec plus qu'avec l'autre. Vous pouvez voir sa gueule encore derrière. Moi, je veux la revanche. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas eu de triche, non, c'était derrière. Parce qu'elle n'a pas compris, mais quand même. Donc oui, elle a pas très bien compris, mais elle a compris à la fin. On y a remontré et tout. Donc là, je pense qu'on va bien s'éclater sur la prochaine fois. Allez. Je suis désolée. C'est moi qui aurais dû gagner. Non, si. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.